Bonsoir. Saddam Hussein risque de payer très cher son aventure koweïtienne. Une véritable révolte contre le régime est en train de se produire, semble-t-il, en Irak. Plusieurs villes seraient aux mains des insurgés. À Bassora, la deuxième ville du pays, des combats violents opposeraient les rebelles à la garde républicaine restée fidèle à Saddam Hussein. Alain Ménard, envoyé spécial de France Info, était ce matin à une quarantaine de kilomètres de Bassora. La bataille de Bassora fait rage depuis dimanche matin. Des unités de la garde républicaine qui étaient déployées le long de la frontière koweïtienne ont fait samedi mouvement vers la deuxième ville d'Irak et depuis hier tentent à coups de canon de char de reprendre la ville aux insurgés. Selon des témoignages de plus en plus nombreux, un soulèvement populaire dirigé par le parti d'opposition Al-Dawa aurait reçu le renfort de 5 à 8 000 Iraniens en armes, a précisé un diplomate koweïtien emprisonné à Bassora et libéré par les insurgés. Ce soulèvement, qui s'est donné le nom de révolution islamique, reconnaît sur place l'autorité de l'imam Mohamed Bakr, un religieux chiite opposant à Saddam Hussein, réfugié à Téhéran depuis plus de 10 ans. Il est maintenant certain que, profitant de la désorganisation de l'Irak après la défaite, du traumatisme de la population et surtout du mécontentement de certaines unités de l'armée, les Iraniens aient aidé, entre guillemets, l'éclosion de la révolution islamique dans le sud de l'Irak. Dans les principales villes de ce sud, les sièges du parti Baath ont été détruits et les responsables exécutés. À Safouan, au sud de l'Irak, à la Ménargue, franceinfo.fr3. Et de leur côté, les Kurdes affirment avoir lancé une insurrection dans le nord de l'Irak. Pour tenter de comprendre ce qui se passe dans ce pays, nous avons invité Mme Basma Koudmani Darwish, qui est chercheure à l'Institut français des relations internationales. Merci d'être venue. Avez-vous des informations vous-même sur ce qui se passe en ce moment même en Irak? Je pense qu'il est très difficile de savoir exactement ce qui se passe. Ce que l'on sait, c'est que depuis quelques temps, depuis plusieurs mois, cette opposition chiite notamment s'organise. On sait que les différentes forces d'opposition se sont alliées. Cela dit, chacun a à l'esprit sa petite idée. Les chiites savent qu'ils ont probablement l'avantage, qu'ils ont la plus grande assise à l'intérieur du pays et qu'ils ont derrière eux la puissance du soutien iranien de la République islamique. Alors justement, Alain Ménargue vient de dire que des milliers d'Iraniens seraient peut-être au sud de l'Irak. Cette information vous paraît plausible? Oui, alors plausible, pour nous elle est invérifiable. Ce que l'on peut dire, c'est que c'est la stratégie iranienne que l'on a vue dans le passé. L'Iran a déjà fait cette politique-là au Liban, dans l'année 82 notamment, quand se sont infiltrés des gardiens de la révolution en Iran. Ils étaient plus de 2000, on n'a pas su comment ils sont entrés, et c'est comme ça qu'ils ont organisé et structuré et embrigadé les chiites du Liban pour en faire une force assez redoutable que l'on a vue par la suite. Donc il est très possible que ces Iraniens-là soient effectivement maintenant en train d'organiser cette opposition. Il est clair en tout cas que cette opposition irakienne a bien ses arrières en Iran, qu'elle s'est entraînée en Iran depuis plusieurs années déjà, et depuis la guerre Iran-Irak, et qu'elle est aujourd'hui prête sur le plan stratégique et sur le plan militaire, sur le plan milicien, à prendre en tout cas une ville après l'autre et à éventuellement prendre le pouvoir. Mais alors justement, le régime laïque de Saddam Hussein pourrait être remplacé par un régime islamique? C'est l'ironie de tout cela, c'est que pendant 8 ans, on a combattu l'Iran dans toute la région. Le monde entier était derrière l'Irak pour le soutenir dans sa lutte contre la vague islamiste en provenance d'Iran. Et voilà que cela risque de se produire demain. Je pense que personne n'espérait cela, ne le souhaitait, pas les alliés, certainement pas les pays du Golfe qui ont été derrière Saddam Hussein pendant 8 ans pour contenir la vague islamiste. Mais je crains fort qu'on assiste en tout cas, sinon à une prise du pouvoir par les chiites immédiatement, en tout cas dans un premier temps, à une situation de conflit civil à l'intérieur de l'Irak, parce qu'il faut rappeler que l'Irak est une nation homogène et construite solidement depuis peu de temps et qu'elle est encore fragile. Alors justement, il faut dire que cette opposition à Saddam Hussein est composée de groupes islamistes, mais aussi de groupes laïcs. Est-ce que ces groupes laïcs ont une chance de l'emporter? Ceux qui ont une assise, ce sont les chiites, malgré tout. Il y a des communistes, les Kurdes, bien entendu, dans leur propre région, mais ceux qui ont un réseau à travers l'ensemble du pays et qui sont organisés et qui ont une audience réelle, parce que la population est à 55% chiite, il faut le rappeler, ceux-là sont probablement les mieux placés aujourd'hui.
Merci pour ces précisions. Cette situation critique a fait l'objet d'un entretien téléphonique aujourd'hui entre François Mitterrand et le président iranien Rafsanjani. Mais ce qui intéresse surtout les pays occidentaux aujourd'hui, c'est la libération par Bagdad des prisonniers de guerre. Les 10 premiers militaires alliés prisonniers de guerre ont en effet été libérés ce matin par Bagdad. Parmi eux, la seule femme capturée, une jeune américaine. Ils devraient rejoindre la Jordanie dans la journée où ils seront remis à leur ambassade. Anne Gourou. Un bus au rideau tiré s'arrête devant le perron de l'hôtel Rachid. À bord, les premiers soldats alliés relâchés par l'Irak en signe de bonne volonté. Parmi les 10 personnes vêtues de la tenue des prisonniers de guerre, une femme, Melissa Anili, 20 ans, la seule américaine enregistrée sur la liste des disparus. Au total, 6 Américains, 3 Anglais et 1 Italien ont été remis à la Croix-Rouge, conformément à la déclaration de l'ambassadeur d'Irak à l'ONU hier. 10 prisonniers apparemment en bonne condition physique qui ont demandé à ne pas s'exprimer avant leur départ d'Irak. En début d'après-midi, le groupe a pris la route d'Amman dans 3 jeeps de la Croix-Rouge. Ils devraient être remis à leurs ambassades respectives en Jordanie cette nuit. La guerre, les 4 membres de l'équipe de CBS l'auront quant à eux entièrement vécu dans les geôles irakiennes. Arrêtés 4 jours après le début des combats, ils sont arrivés hier à Londres. Accusés d'espionnage, ils ont été maltraités au cours de leur détention. Les Irakiens nous ont affamés et battus. Ils nous ont menacés et terrorisés, raconte Peter Bluff. Le journaliste de CBS a par ailleurs déclaré avoir parlé à 6 prisonniers britanniques la semaine dernière, 6 des 12 militaires anglais officiellement disparus. En réponse à la libération de ces 10 prisonniers, les alliés ont annoncé qu'ils laisseraient 300 prisonniers de guerre regagner l'Irak dès demain. Et pendant ce temps, les Koweïtiens reprennent possession de leur pays. Le prince héritier rentré aujourd'hui, cet après-midi même, à Kuwait City. Dans quelques jours, l'émir du Koweït retrouvera à son tour son pays, un pays abîmé et pillé par les soldats irakiens. Même le musée national du Koweït a été mis à sac. Et depuis quelques jours, justement, les Koweïtiens tentent de récupérer leurs biens. Comme en témoigne notre équipe sur place, elle s'est rendue sur la route de Bassora, la route employée par tous pour fuir les combats, une route bombardée jour et nuit par les alliés pendant les derniers jours de la guerre. Reportage d'Albert Ripamonti et Philippe Basquin. Sur des kilomètres, un champ de bataille devenu depuis le plus grand marché aux puces du monde, à la différence qu'il suffit de se servir. Qu'ils soient civils ou militaires, Koweïtiens, Saoudiens, Britanniques ou Américains, tous se sont donné le même mot, récupérer tout ce qui peut l'être. Ce que j'ai trouvé ici, ce sont des vêtements et des outils. Rien de plus intéressant. Lui emporte un fusil mitrailleur soviétique. Quant à eux, même une voiture brûlée va faire leur affaire. D'autres resteront des heures et des heures à fouiller. Nous sommes ici à 50 km de Kuwait City sur la route qui va à Bassora. Le 26 février, l'aviation alliée a attaqué des milliers de véhicules irakiens qui fuyaient vers le nord, les bloquant sur place. Résultat, cet enchevêtrement de ferraille et d'objets de consommation. Car avant d'évacuer le Koweït, les Irakiens ont tout pillé. Les magasins, les domiciles particuliers, volant jusqu'aux véhicules privés. Une semaine après la libération, Kuwait City se relève lentement de ses 7 mois d'occupation. L'eau et l'électricité ne sont toujours pas rétablies. Dans les rues, on distribue de la nourriture. Et dans les stations-service, de l'essence, 40 litres par véhicule, la vie reprend ses droits. Le comportement des Koweïtiens montre à quel point ils sont désorientés. La reconstruction de leur pays, et ils le savent, sera très longue. Après les premiers jours de liberté et d'euphorie, le Koweït fait en effet le bilan de ses 7 mois d'occupation. Bilan alarmant, notamment pour l'infrastructure pétrolière. 600 puits sont toujours en feu. Bertrand Edel. Spectacle d'apocalypse dans le désert koweïtien. Sur le complexe pétrolier d'Alamadi, plus de 80% des puits sont en feu. Aujourd'hui, il est impossible d'approcher, le périmètre immédiat a été miné par les Irakiens. De plus, l'extinction d'un puits est une opération complexe. Au Koweït, 90% des gisements sont de type éruptif. Le pétrole jaillit en surface sous le simple effet de la pression naturelle. Pour maîtriser de tels incendies, on doit forer d'autres puits tout autour pour intercepter le brut sous la surface. Red Adair, le spécialiste mondial de ce genre de catastrophe, préfère souffler la flamme en provoquant une explosion à proximité du puits. Si tout se passe bien, la production devrait reprendre dans 9 mois.
Il faudra cependant 5 ans pour rétablir totalement le potentiel pétrolier du Koweït, qui ne disposerait aujourd'hui que de 14 jours de réserve. Vous le constatez, les vainqueurs de cette guerre ne pensent plus qu'à l'avenir, les Koweïtiens à leur pays et les Occidentaux à la diplomatie. Mais ils n'oublient pas pour autant les enseignements qu'ils peuvent tirer de ce conflit. C'est le cas de la France qui va moderniser son appareil militaire. François Mitterrand l'a clairement exprimé hier. Et en cela, le conflit du Golfe va les aider. Il permettra aux militaires de savoir quels sont les matériels efficaces et quels sont ceux qui sont dépassés. Des indications importantes pour les choix futurs. Enseignement tiré à Riyad par notre envoyé spécial, Pierre Babet. Des blindés légers appuyés par des gazelles fonçant droit devant à toute allure, cela s'appelle un raid TGV. C'était exactement la mission de la division d'Aguet dans l'extrême ouest de la tempête du désert. Rapidité, légèreté, surprise, ces qualités de la participation française ont aussi leurs faiblesses. Des unités obligatoirement professionnalisées, les armées auraient eu beaucoup de mal à constituer des relèves sans le concours interdit par la loi des appelés du contingent. Voilà pour les hommes. Pour les matériels, des chars lourds, les AMX-30 d'une précédente génération, des blindés et des hélicoptères légers, auraient-ils pu tenir un choc frontal où se seraient engagés des chars de la classe Abrams, Challenger ou T-72? L'aviation, de son côté, n'a pas eu les capacités de mission à longue distance et par tous les temps que lui auraient permis des avions de la toute dernière génération. Enfin, les capacités de projection des forces n'ont pas été satisfaites qu'au prix d'une très forte sollicitation de moyens civils ou de transports militaires à la limite du potentiel. Bien sûr, tous ces équipements sont à l'étude depuis longtemps, trop longtemps peut-être. Ils se nomment chars Leclerc, lance-roquettes multiples, avions de combat Rafale. Ils équiperont nos forces dans les années à venir, mais ils n'étaient pas au rendez-vous de cette guerre-là. Et du coup, le débat sur le rôle et la place de l'armée française rebondit au sein de la classe politique française. Michel Lemaire. Un point d'accord se dégage à travers les réactions politiques. La nécessité de moderniser et d'adapter notre appareil militaire. Mais faut-il aller jusqu'à la création d'une armée de métier? À gauche, on demeure traditionnellement favorable à la conscription. À droite, on défend de plus en plus une professionnalisation de nos forces armées, tout en acceptant des adaptations. La solution, c'est une armée professionnelle, avec à base de professionnels d'actifs et d'engagés pour 18 mois, 2 ans, 3 ans. Et si l'on veut maintenir un système de conscription, il faut que ce soit un système alimenté par le civil, par les administrations civiles, et pris en charge par d'autres budgets que le budget de la défense. Reste qu'un récent rapport estimait à 20 milliards le coût d'une telle évolution avec des effectifs constants. Alors faut-il augmenter sensiblement le budget de la défense? Je pense qu'il y a quand même un minimum, une sorte d'assurance, sur la vie nationale que nous devons accepter de payer. Et là, je pense qu'un effort un peu plus important sur un certain nombre d'années, donc étalé, sera sans doute nécessaire si on veut que la France reste un pays qui puisse jouer son rôle sur le plan international. Il n'y a pas que les problèmes militaires, il y a aussi l'économie, mais il est bien évident que le budget de la défense ne pourra pas baisser fortement dans les années qui viennent. Les socialistes n'échapperont pas à un débat interne sur ce sujet, et comme le Front National n'a jamais refusé son appui à la hausse des moyens militaires, le Parti communiste risque de se retrouver assez isolé dans son refus de tout effort budgétaire. Une autre leçon doit être tirée de ce conflit, une leçon au goût amer pour l'Europe politique. Elle s'est faite si discrète. Mais la séance qui réunissait aujourd'hui les 12 ministres des Affaires étrangères n'a pas abouti à de grandes décisions. L'Europe s'engage apparemment vers une diplomatie tranquille. De Bruxelles, le reportage de notre rédaction européenne, François Poulet-Mathis. Station inhabituelle aujourd'hui à Bruxelles, autour de la réunion des 12. La première, après l'arrêt de la guerre dans le Golfe. L'Europe va-t-elle se manifester d'une manière ou d'une autre? Peut-elle enfin peser de tout son poids après une guerre où son rôle aura été pour le moins effacé? Réponse des 12, il faut agir sur le terrain où pour l'instant l'Europe est la plus efficace. L'aide économique et la coopération politique. Ce qui, pour Roland Dumas, doit s'appeler une diplomatie tranquille. L'Europe, au travers de ses rendez-vous et de l'affirmation d'un certain nombre de principes, entend faire entendre sa voix et suggérer des solutions. En bref, nous avons opté pour, je cite, je mets entre guillemets l'expression,
une diplomatie tranquille, mais cependant une diplomatie propre à l'Europe. C'est ainsi que les 12 ont convenu pour les jours prochains de plusieurs missions dans les pays du Moyen-Orient afin de promouvoir, par exemple, une conférence de paix sur la Méditerranée. Un travail certes moins spectaculaire, mais peut-être à terme plus payant, pense-t-on ici à Bruxelles. Il y a un homme qui pensait avoir été oublié, même pardonné dans cette crise très grave, c'est Salman Rushdie. Eh bien non, la condamnation à mort tient toujours. La fondation iranienne qui a mis à prix sa tête, en effet, doublé le montant de sa prime. Elle promet 2 millions de dollars à celui qui assassinera l'auteur des versets sataniques. Rushdie avait pourtant tenté de faire amende honorable ces derniers mois. Rappel de l'affaire avec Caroline Sims. Salman Rushdie est l'homme le plus protégé d'Angleterre. Depuis 2 ans, une unité antiterroriste de Scotland Yard le surveille nuit et jour. Personne ne sait où il se cache. Cette vie d'homme traqué commence en février 89 à cause d'une fatwa, décret religieux prononcé par l'imam Khomeini. Celui-ci le condamne à mort pour offense à l'islam, au prophète et au Coran à travers son livre Les versets sataniques. Les musulmans du monde entier sont appelés au meurtre. Une fondation regroupant des religieux proches de Khomeini offre alors une récompense pour son élimination. 3 millions de dollars à un Iranien, 1 million à un étranger. Lorsque Khomeini meurt, la fatwa est confirmée par Ali Khamenei en février 90. Coup de théâtre, en décembre dernier, Rushdie désavoue certains passages de son livre et se reconvertit à l'islam. Il interdit en outre la sortie des versets sataniques en livre de poche. Mais ce repentir, sincère ou non, ne touche pas l'Iran. Les dignitaires religieux déclarent la fatwa irrévocable en février dernier. Aujourd'hui, les 2 millions de dollars offerts à l'étranger qui tuera Rushdie viennent confirmer cette ligne dure prônée par les intégristes du régime iranien. L'accalmie dans le Golfe va désormais mettre en relief d'autres événements de politique étrangère. Par exemple, la volonté d'indépendance des républiques baltes, volonté exprimée massivement hier. Plus de 77% en Estonie, plus de 73% en Lettonie. Les dirigeants indépendantistes ont gagné hier une manche de la partie de bras de fer engagée contre Mikhaïl Gorbatchev. Le soutien massif de leur population s'est en plus doublé d'un ralliement surprise des Russes à leur politique. Le Kremlin s'est contenté pour le moment de déclarer le scrutin illégal. Marie-Odile Pagnès. Sondage en Lettonie ou référendum en Estonie, un même résultat, le oui massif pour l'indépendance dans ces deux républiques baltes. Avec plus de 70% de réponses favorables, les gouvernements viennent d'apporter un démenti populaire aux autorités soviétiques qui affirmaient que seule une poignée d'extrémistes voulait la sécession. Bien sûr, il existe des différences localement. En Estonie, la moitié de la population seulement est de souche estonienne, et dans les villes industrielles à majorité russe, le nombre de oui tombe à 25%. Mais les campagnes, à l'inverse, sont très indépendantistes. Le oui y recueille 98% des suffrages exprimés. En Lettonie, les Russes représentent 40% de la population, mais certains ont quand même voté pour l'indépendance, espérant qu'elle l'entraînera à la démocratisation. Cela montre que la propagande officielle qui essaye de présenter le conflit dans les pays baltes comme un conflit interethnique entre deux communautés nationales différentes, cette propagande ne prend pas sur le terrain. Et finalement, elle ne prendra pas non plus dans la communauté internationale maintenant, puisqu'on voit actuellement que le conflit ne se situe pas entre les Baltes et les non-Baltes, mais entre la population et le Parti communiste. Au Kremlin, Mikhaïl Gorbatchev dénonce ces scrutins comme étant illégaux et contraires au référendum qu'il organise le 17 mars sur l'avenir de l'Union. Mais déjà, 6 des 15 républiques soviétiques ont annoncé leur refus d'y participer. En France, Jean-Marie Le Pen n'a pas daigné répondre à la convocation des juges qui voulaient l'entendre aujourd'hui sur la signification du mot « détail ». L'affaire est passée aujourd'hui devant la cour d'appel de Versailles. Le jugement a été mis en délibéré pendant 15 jours, une procédure tout à fait normale. Compte rendu d'audience, Dan Rongère et Philippe Jasselin. Jean-Marie Le Pen retenu, dit-il, à Bruxelles, la salle d'audience déserte, l'affaire du point de détail ne fait plus recette. Sans doute parce que c'est la 8e fois qu'elle vient devant la justice. À chaque fois, Jean-Marie Le Pen a perdu, mais il ne désarme pas. On a, dit-il, dénaturé le sens de ses propos. En fait, la souffrance des Juifs, l'Holocauste, il l'a situé dans le cadre des souffrances de 50 millions de personnes qui ont disparu au cours de la guerre mondiale.
La thèse du malentendu pour les avocats des déportés, c'est une dérobade. Ils ont compté. L'expression « détail » a été prononcée 3 fois par Jean-Marie Le Pen pendant l'émission. Ce n'est donc pas un lapsus. Et pour en finir une fois pour toutes avec ce procès marathon, il propose de visionner le film d'un autre procès, le procès Barbie. Les survivants des camps ont témoigné. La justice a condamné Barbie. Comment ne pas condamner Le Pen ? Si nous ne nous souvenons pas de cela, nous prenons le risque de voir recommencer de tels excès. Et c'est contre cela que nous nous battons et c'est pour cela que la mémoire est importante. Jean-Marie Le Pen n'en a pas fini avec la justice. Jeudi, verdict dans un autre lapsus.